sont arrivés là, conduits par leur père, leur frère, leur ami, un contremaître de passage. Ils sont arrivés là parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Chimiquier Angreni, ex Spica, ex Virgo, longueur 129 mètres, poids 10 826 tonnes, pavillon Singapour, navire double coque construit en 1995 à Kherson, Ukraine, détenu en 2004 à Montréal, Canada, et en 2010 à Rotterdam, Pays-Bas, vendu pour démolition au Bangladesh, 517 $ la tonne. Secours-moi, mon père, dit-elle, et fais-moi perdre, en la transformant, cette apparence qui m'a valu de trop plaire. Daphné est prise entre deux feux. Être ravie par un dieu ou devenir un arbre. Pour la nymphe, la transformation est un moindre mal. Dans la maison, des torches s'allument, puis les flammes et la lumière. Najrul partage sa chambre avec un coupeur d'acier. Toutes les nuits, il est réveillé par les cris de son camarade, qui, dans son sommeil, continue à donner des ordres. Tandis que les filles de Minya se cachent, une membrane s'étend sur leurs extrémités et emprisonne leurs bras. Ce ne sont pas des plumes qui les ont soulevées du sol. Et pourtant, elles volent dans l'air. Leurs nouvelles ailes sont transparentes. Les filles de Minyas sont devenues des chauves-souris. Frappent, sectionnent, tirent, soulèvent, trient. Recycler la matière inerte n'exige apparemment aucun savoir particulier. It is 14,000 tons. 14,000. Osiroué, la fille du centaure Chiron, essaie de parler, mais ses plaintes deviennent inintelligibles. Ce ne sont plus des mots, ni même des gémissements, seulement l'imitation d'un hennissement qui sort de sa gorge. Sur le chantier, on ne parle pas de ses douleurs. Et aussi, à force de vivre dans les vapeurs et les étincelles, on ne cligne presque plus des yeux. Paupières ouvertes, on attend que la machine fasse son œuvre en réorganisant la chair humaine. Aucune métamorphose n'accomplit le prodige d'effacer absolument ce qui précède. À l'est, on accepte les déchets comme une manne.